Bonso ah, ah zut, bah voilà, ma caméra crash, c'est génial. <laughs> bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue bonsoir. sur la chaîne de Tolkien Deal pour en ce vendredi 15 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Euh, on se retrouve ce soir pour une interview un petit peu spéciale, comme vous pouvez visiblement déjà le voir visuellement. C'est compliqué <laughs> depuis la semaine dernière, mais c'est pas grave. Donc euh, ce soir, on se retrouve du coup pour l'interview d'Antoine Pierre, c'est Arnaud Lehu, auteur et illustrateur de la série de BD parodique La Terre du Milieu, mais un peu sur la gauche. Euh, comment vous allez ben, Très bien, oui, on est content d'être là, enfin, d'être oui, là... cyber là. oui. oui. <laughs> Voilà, je suis revenue, ça y est, ça marche. Ouais. <laughs> ah, je suis très heureuse de vous accueillir. Enfin, on est très heureux, en tout cas, de vous accueillir pour cette petite interview. Euh, donc, on est encore... enfin, je suis encore une fois désolée pour le petit problème contretemps qu'il y a eu la semaine dernière et pour tous ceux qui ont attendu un petit peu en vain euh, qu'on règle le problème technique qui ne s'est jamais résolu, que j'ai dû résoudre après en off. Donc, ce soir, c'est bon, tout marche. On va espérer. On peut dire que c'était la faute d'Arnaud éventuellement. Bah, J'ai pas aidé. J'ai pas aidé. C'était déjà mal barré et après tout a craché chez moi. Donc... Oui, oui, c'est vrai que bon, c'est euh, une accumulation de malchance, mais ce soir, c'est bon, tout fonctionne. Donc on va pouvoir commencer tranquillement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper un petit peu l'interview en deux grandes parties, on va dire. D'une part, on a préparé pas mal de questions et on fera une petite partie aussi question du public, comme ça. S'il y a des curieux qui veulent en savoir un petit peu plus sur vous, ils pourront poser des questions aussi et comme ça, tout le monde sera content. Voilà. Okay. Donc, première question que j'avais à vous poser, j'aimerais voulu en savoir un petit peu plus sur votre parcours au niveau de... enfin, du point de vue professionnel pour devenir auteur et illustrateur, notamment de BD parodique. Eh bien, tu veux commencer, Arnaud non, je te laisse commencer. Euh... Très bien. Ben voilà, ça, ça va être le thème, je pense, que... <laughs> de savoir qui passe en premier. <laughs> euh, moi, je suis. En fait, on a fait la même école de dessin. Donc, en fait, déjà le début va être pareil. Euh, on a fait la même école de dessin à Nantes. Euh, oui. On a appris euh, tous les deux à dessiner et puis euh, aussi à écrire des gags. Euh, voilà. À la suite de ça, moi, je suis parti faire un jeu vidéo euh, qui est sorti en 2018 que euh, j'ai écrit un petit jeu, un jeu d'aventure en point and click. Et puis euh, j'ai continué à écrire des scénarios et à faire des bandes dessinées, des webtoons notamment. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est des, des bandes dessinées verticales. C'est un format coréen qui a été, qui commence à arriver un peu, enfin qui commence, qui, a, qui est déjà solidement installé euh, en France. Et euh, j'ai fait des webtoons pour la plateforme de Dupuis, euh, qui s'appelait Webtoon Factory, qui depuis a changé. D'accord. Euh, là j'ai mon mon dernier dernière série vient de sortir d'ailleurs sur la nouvelle plateforme qui s'appelle Ono. Et puis, euh, voilà, de, de scénario en scénario, j'avais été contacté par, euh, par Arnaud ici présent euh, quand on lui a proposé euh, de faire une série sur le Seigneur des Anneaux et qui, euh, qui a décidé de demander à quelqu'un qui l'avait lu. Voilà. Arnaud a Alors, disparu. Voilà, en gros. Oui, j'ai disparu. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'allais prendre le relais, je disparais. Moi, je ne sais pas. Ouais, c'est compliqué, je crois, euh, cette organisation de l'interview, <laughs> C'est compliqué. C'est ta, ta qui a dû se mettre en veille. Oui, je pense ça. que voilà, c'est comme ah, la, attends, la je C'est pareil. Voilà. Je vais réapparaître. <laughs> parfait. C'est bon, parfait. Nickel. Donc, donc moi, oui, pareil qu'Antoine pour l'école, vu qu'on était ensemble là-bas. Et donc, après, j'avais rencontré les éditions, euh, les éditions de Jungle euh, à l'occasion de Quai des Bulles. Il m'avait proposé une première fois de. Si je voulais illustrer. Euh, euh, la parodie du, de Game of Thrones. Parce qu'il prévoyait, voilà, prévoyait de faire des albums parodiques sur Game of Thrones. Il m'avait demandé. Sauf qu'ils étaient tombés sur l'une des personnes qui n'avait jamais vu la série <laughs> en France. Donc voilà, moi j'avais vu aucun épisode. Donc je n'étais pas la bonne pioche. Ça aide pas, oui. Voilà. Et donc l'année d'après, je leur ai envoyé. Euh, un projet de BD qui n'avait rien à voir qu'ils ont refusé mais ils m'ont dit on prépare euh, une, un projet de parodie de bah, on a envie de faire une parodie du Seigneur des Anneaux est-ce que ça t'intéresserait j'ai dit oui et après est-ce que tu connaîtrais un scénariste pour t'accompagner et donc là j'ai demandé à Antoine si ça si ça l'intéresserait et le truc c'est que je savais qu'il était drôle je ne savais pas s'il si aimait le Seigneur des Anneaux donc ça ça a été la surprise après. Il se trouve que je l'avais déjà lu au voilà. moins une dizaine de fois quand tu m'as demandé. Et, euh, et euh, donc, oui, j'aimais bien. Je ne disais pas parce que je détestais. <laughs> bon, C'est bien, parfait. <laughs> du coup, euh, Le Seigneur des Anneaux, Antoine, tu l'avais lu. Arnaud, tu l'avais lu aussi ou pas encore Non, non, non. Je, pas... je ne l'avais point lu, j'avais juste euh, vu les films. D'accord, ok. Et donc pour travailler sur la BD, tu as été amené à le lire, je suppose aussi. Euh, bah je l'ai, commencé. Je dois avouer que je ne l'ai <laughs> pas fini. Je ne l'ai pas fini, mais j'ai bien aimé ce que j'en ai lu. Mais voilà. je ne suis pas un grand, il faut savoir que je ne suis pas un grand lecteur de romans. Ça fait bien dix ans que j'en ai pas fini un, donc. Euh... Arnaud préfère bon, bah, déployer des images. Voilà, moi je lis principalement que de la BD, donc il ne faut pas se sentir offensé sur cette non-lecture. Mais... Et bon, je pas de nouveau. Voilà, on oui. m'a banni. <rire> <rire> bon. Bon, on banni pour non-lecture. Cette ouais, déclaration outrancière. Euh... Ce pas une honte hein, de ne pas avoir fini une série de un C'est pas évident. Et puis tout le monde n'a pas l'habitude de lire non plus des aussi gros romans, on va dire. Donc... Peut-être un jour. Oui, ouais, euh, bah, ouais. surtout. Surtout que ce que j'en ai lu était très plaisant, donc je pense que je continuerai euh, tranquillement euh, de temps en temps. D'accord. Et du coup, euh, votre porte d'entrée à tous les deux dans l'univers de Tolkien, c'est plutôt les films du Seigneur Zano euh, Moi, j'avais commencé... lu, en fait, euh, j'ai commencé par les livres. Enfin, en, le, le, mon premier contact, c'était par le biais de mon frère, mon, mon grand frère, qui euh, les lisait euh, religieusement euh, très souvent. Donc il a 10 ans de plus que moi. Et euh, il avait les éditions, c'est la vieille traduction, hein, parce que c c je ne sais même plus quel éditeur c'était, mais il y avait les, euh, les magnifiques dessins d'Alan Lee et John O. Et moi j'étais tout petit et je voyais les dessins d'Alan Lee et John O. Et je me suis dit, c est, c est ce livre absolument incroyable, je, je, il, faut que je le, il, faut, il faut que je me le procure immédiatement. Et mon frère me répondait, non, enlève tes sales doigts plein de graves, mais bon livre. Et voilà, donc du coup, mon premier contact, c'était un non-contact, c'était un contact largement <laughs> visuel de loin, entre aperçu <laughs> euh, Mais par la suite, en fait. Euh, peut-être cinq ou six ans plus tard, j'ai une, je me suis tombé malade, j'ai eu une grosse fièvre. Euh, le seul, les seuls livres qui étaient à portée de main, c'était les, euh, les trois tomes du Seigneur des Anneaux en, en VF, mais pas les versions jolies, les versions euh, poche. Donc j'ai tout lu d'un coup, euh, pendant cette, euh, cette, cette maladie. Et euh, j'en garde du coup un super souvenir. Et par la suite, j'ai euh, relu euh, de nombreuses fois Non Malade et Non, euh, non Empêché par mon frère. D'accord, ok. Alors, Arnaud, du coup, toi, c'était les... Ouais. les films Ouais, moi, c'était ou... les films. Et en plus, j'ai commencé par le troisième film. Parce qu'on un jour on m'a emmené au cinéma avec Ah, viens, viens voir le retour du roi. J'étais ok. Vraiment Et... fait n'importe quoi. <laughs> Et j'ai vu le retour du roi. Je connaissais rien à l'univers, mais j'ai apprécié. Et après, j'ai vu les les trois films. Du coup, voilà, que le que le troisième au, au cinéma après les autres. en en DVD et voilà après je... du coup c'est se faire ah, un peu spoiler la fin quand même <laughs> <Oui. Ouais. rire> un peu dommage mais bon tant pis j'ai vu oui, que le premier au cinéma ben, il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui a vu que le deuxième et puis on <laughs> <faudrait> Là, <faire rire> un. pour le langage on colorise sans... <rire> <rire> non j'avais vu que le premier et j'avais eu l'expérience légèrement impactée par le fait que j'étais avec mon père et qui, euh, qui me soufflait des âneries dans l'oreille mmh. au moment important donc, euh, je ne sais plus du coup si c'était le premier ou le deuxième, parce que j'ai un doute. Il euh, y avait euh, Saruman et Gandalf qui se battaient euh, dans la, dans la, au sommet d'Ortanque. Et euh, juste au moment où ils se battent, c'est quand même. Voilà, c'est important. Euh, mon père qui se penche discrètement vers mon oreille, qui me dit euh, On dirait des vieux le jour des frites à l'hospice. Et, et il ouais, <laughs> m'a gâché là, le moment. <laughs> ah oui, non Terrible. Ouais. Heureusement, par la suite, j'ai pu voilà recréer de nouveaux souvenirs. <laughs> oui, plus dans Un vieille. peu plus dans le contexte, voilà. oui. Là... <laughs> plus digne. Mm. Euh, à l'heure actuelle, du coup, donc euh, Antoine, tu as lu le Seigneur des Anneaux. Arnaud, tu l'as pas fini C'est pas grave. Ouais. Euh... J'ai commencé le Hobbit et le premier tome du Seigneur des Anneaux. Ok, bah, c'était ma question. Voilà. Antoine, qu'est-ce que tu as lu sinon de Tolkien, notamment euh, pas beaucoup. J'ai lu le Hobbit, j'ai pas encore lu le Marion Je, je l'attends avec impatience, mais je me le garde pour un peu après, parce que j'ai une pile de livres à lire euh, qui, me, qui menacent de me tomber dessus. Euh, mais, et puis après, j'envisage en fait, de choper la suite, euh, les contes inachevés, etc. Parce que là, je sais que justement, mon frère, ma porte d'entrée en Tolkien, est dans ses, euh, dans ses autres récits. Et il m'en dit beaucoup de bien, il m'en chante beaucoup de bien, donc euh, j'ai vraiment hâte de. De m'ouvrir un peu au reste, en fait. Au-delà au des, des éditions un peu étendues du Seigneur des Anneaux avec les annexes et tout, et tout que, que j'ai déjà bien poncé, et que maintenant, ça y est, il faut que je, faut que je passe à autre chose. Il me faut les autres. D'accord. Dans ce cas-là, je suis curieuse de savoir. Euh, donc, euh, je ne les ai même pas présentés, honte à moi. Donc, <laughs> nous avons le petit tome 1 qui est juste ici. Donc, celui-ci, euh, de mémoire, se concentre surtout sur le Seigneur des Anneaux. Il y a aussi un petit peu du Hobbit. Voilà. Oui, c'est ça. Tome 2. De... Euh, non, ça c'est le tome 3. Le tome 2, On est plus sur euh, Seigneur des Anneaux, un peu plus de Hobbit et il y a un petit peu de Silmarillion en fait. Une ou deux blagues de ouais. mémoire. Alors ça du coup en fait, ma question. Permet est... d'interrompre parce que vas -y, vas -y. <laughs> pour expliquer pour me justifier. En fait c'est que je un peu quand un univers m'intéresse, quand un truc, quand j'aime bien un monde, euh, j'ai tendance à avoir cette manie qu'ont beaucoup d'autres gens de se plonger dans les wikis en ligne. Euh, et de tout lire en fait. Enfin, je, je, quand, quand je suis en train de manger, quand je suis en train de faire autre chose, j'ouvre une page de wiki en ligne et je, je clique jusqu'à ce que le lien, je trouve plus le lien bleu sur la page. <laughs> coup, donc en fait, j'ai déjà une connaissance à peu près de ce qui racontait dans les autres, dans l'univers, euh, au-delà des livres les plus connus, mais j'ai pas encore lu les, le, le vrai matériel de source. D'accord, ok. C'était ma question justement d'où bon, venaient les, les rares gags sur le Silmarillion s'il n'y avait pas eu de lecture c'est la... qui m'a tout appris. <rire> 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 ok, d'accord. Bon. Euh, dans... Du coup, de ce que vous avez dû, est-ce que vous avez un personnage préféré chez Tolkien hmm. à l'heure actuelle ah, Je, je question, pense euh... que. Ouais. <laughs> J'aime bien les méchants. Donc, euh, je pense mm. que même si on n'en sait rien, enfin, presque rien, même si c'est plus euh, voilà, une allégorie qu'un vrai personnage, c'est quand même le. Le roi sorcier d'Angmar, je pense. Parce qu'il parce que, brille par ses descriptions, je trouve. D'accord. Et toi, Arnaud, du coup J'aime bien Denethor. Ouh, c'est rare. Euh... Ah oui. C'est rare. Même pour ceux qui ont lu <laughs> le livre, c'est rare. Là, et, et c'est là que j'aime bien Tom Bombadil aussi, mais c'est aussi, aussi par rapport à, à ce qu'on en fait dans, dans nos BD. <laughs> Ah oui. <laughs> bah, je pense que c'est probablement l'incarnation la plus euh, réaliste qu'on fasse dans la parodie. En tout cas. Ah bah on est fidèle au texte Je confirme. Pour avoir <laughs> tout lu, je, je confirme. Et du coup, euh, bah, Arnaud a répondu à ma deuxième question. Antoine, est-ce que euh, le roi sorcier c'est aussi ton personnage préféré dans cette série de BD ou est-ce que t'as un autre personnage préféré bah, Arnaud non, aussi, tu série peux... De BD. Ouais, mais... Je crois que pour la série de BD, je... mon préféré, ça va être euh, probablement Tom Bombadil aussi. Ouais, on sait qu'on va bien s'amuser quand, quand il le pas... propose dans les gags. Là, je On de m'en abuser, hein. mais... Mm. Ouais, mais. Moi, je trouve ça sympa à personnel de le retrouver hein, dans chaque tome un petit peu. Ça me fait sourire à chaque fois quand même. Une ou deux fois. Ah, voilà, c'est ça. C'est un petit gag récurrent quand même qui fait plaisir. J'aime bien le roi sorcier aussi quand, quand il est dans les gueule, parce que vu que je lui ai mis une tête improbable, ça m'amuse à chaque fois. Oui, oui, oui. Ah, J'aime aussi beaucoup comme tu dessines Gollum. Ça me... Oui, ouais, ouais, toujours me amusant. Je vois ah, oui. à chaque fois. Gollum, toujours très bien, Gollum. Ouais. Que ce soit dans les bouquins, les films. Il hein. bah, suffit de regarder une la couverture BD. du tome 3. Hein. De toute façon, Gollum, oui, il, est... Voilà. Voilà, il est incroyable. Il hein. <laughs> ah, y en a un aussi, qu quelques dans les livres. C'est. Son nom m'échappe, donc euh, voilà, je ne sais pas pourquoi j'en parle du coup, mais c'est dommage. C'est le, le, le Hobbit qui est avec euh, l'équipe euh, bien connue, qui est là au début, mais que au début. Et oui, qui oui, les aide oui. en fait à faire l'embuscade le, et tout, enfin qui ah. les aide à préparer la maison pour détourner les Nazgûl tout début. Oui. Son, son nom m'échappe complètement. Mais moi, j'aime bien ce personnage-là parce qu'en fait, il fait partie de la team. Il est là au début, il est là pour aider. Et puis en fait après lui il reste sur place enfin il part pas il part Et pas euh... avec les autres près de gare. Je crois euh... que c'est ça dans oui. sa alors je sais plus si c'est pareil dans la nouvelle traduction je pense que oui quand même ah ouais ah oui j'ai je... mm -hmm. je... que les j'ai que les tomes en anglais en ce moment euh, mm. je... je sais pas je sais plus comment il s'appelle, mais j'aime bien il a ce petit côté euh, mm. Euh, mm. Pete best euh, le premier batteur des des beatles celui qui n'a pas fait des le... Beatles, <laughs> en fait. Et j'aime bien ce, ce personnage-là pour ce qu'il aurait pu être, ce qu'il n'a pas été. Bah, c'est vrai que dans les... dans les livres, à défaut d'avoir de... accompagné Frodo, etc., il... il a quand même une petite importance, notamment sur la fin, pour le... tout ce qui oui. se passe en comté. Mais bon, dans Absolument. les films, c'est un peu dommage. Vrai que ça, ça, il s'est fait évincer Je, je, je l'ai vu au début, mais c'est vrai que je ne, je ne connais pas encore sa participation à la fin. Ah oui, oui, oui bah il, a, il a assez. On le voit dans le film, Arnaud, c'est peut-être que c'est. Eh ouais être... Oui, oui c'est celui qui est un peu. qui est au bistrot avec eux, mais on sent qu'il est plus caractérisé par le bistrot que par le, <laughs> le reste. <laughs> et il, voilà, il dit deux, trois conneries, et puis il y, y a Somme qui dit que c'est un blaireau, et voilà. <laughs> en substance. Pour résumer. Au niveau de vos références et inspirations humoristiques Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a inspiré, euh, notamment pour euh, tous vos gags Je si que ma question est très claire. Mais... Si, si, si. 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 Euh, alors, bah, moi, pour les gags, c'est toujours les, un peu les mêmes influences que j'ai depuis le début. Dont, euh, le génie des alpages de FMUR euh, la série Achille Talon aussi. C'est toujours ma référence humoristique depuis, euh, depuis toujours. Et, euh, et puis bah, Gottlieb aussi qui, qui était quand même un peu le, un des maîtres de la, de la parodie quoi. très franco-belge dans mon inspiration <laughs> ben après moi en termes de en termes de dessin les inspirations principales c'est tout ce qui est un peu cartoon façon euh, Looney Tunes et compagnie et après les, les classiques de franco-belge un peu Uderzo avec Astérix et euh, Franquin, avec Gas période Gaston, ces euh, derniers Spirou et tout ça, vers, les, vers la fin des années 60-70. Et aussi, bah aussi Thébault. Lui, c'est celui qui a fait il a fait son et Néon et Captain Biceps dans les années 90-2000. C'était dans la collection de shows pour la jeunesse chez Glénat. Et, euh, et sinon, après, ce que j'aime bien aussi, c'est en, en fantaisie humoristique, ce qui s'est fait avec Donjon de Sfar et Trondheim. En fait, j'aime bien quand le, la fantaisie est traitée vraiment de manière. Euh, avec un trait très, très, très jeunesse, très humoristique. Ça, ça, ça a tendance à me parler. Donc, Je pense que c'est ça, mes influences euh, pour le dessin. Donc, de toute façon, il me fallait quelque chose de très vivant et de très dynamique. Donc, c'est des, voilà, des artistes un peu dans, dans cette veine-là qui, qui m'inspirent. Et après, il y a aussi ouais, quelques. Il y a aussi une, une artiste américaine euh, qui s'appelle Christine Larsen qui, qui avait fait un petit comics indé sur des orques qui, qui a été souvent, euh, souvent pas loin de moi euh, sur, mon, sur mon ordi quelques pages pour. Euh... D'accord. Elle avait un bon traitement aussi. Et j'ai encore disparu pendant que je parlais, j'étais trop long. <laughs> La caméra s'est endormie. Elle a mis <rire> <rire> Donc voilà, je dirais pour mes influences. Et notamment, du coup, est-ce que vous avez été amené à lire certaines euh, parodies euh, qui ont été faites sur le Seigneur des Anneaux euh, J'en je, ai quelques-unes en tête. Alors, je ne sais plus si elles sont françaises, purement françaises. Il me semble qu'il y a des traductions. Euh, Lord of the Ringard, notamment. Il y a les Seigneurs des Anneaux aussi. Il euh, y, y a eu pas mal de BD parodiques. Est-ce que vous en avez lu, notamment Alors moi, je les ai pas lues. Uh -huh. euh, et, je... et en fait, au moment où j'ai euh, déc... enfin, signé ce contrat, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué, enfin j'ai masqué tous les comptes d'humour sur le Cercle des Anneaux. Oui, pour pas t'influencer de... dans les gags. De jamais tenté en fait de... de voler un gag. Donc j'ai absolument tout masqué sur tous les réseaux. Et, euh, de... et ça a été une grande douleur, parce que c'était mes blagues... mes blagues préférées. <laughs> euh... Mais du coup, voilà, j'ai essayé de m'en détacher au maximum pour euh, surtout... Euh... Voilà, que si jamais il y a un, je copie un gag, ce soit purement accidentel. Oui, ben bah moi c'est pareil, j'en ai, ai lu aucune. Mais c'est aussi parce que j'ignorais leur existence pour la pour la plupart, Sur celles qui étaient publiées euh, en livre. Je j'ai connu, pense que j'avais fini le, on avait fini le tome 1 quand j'ai appris qu'il y en a qui existaient déjà. Quand j'avais pas fait de recherche spécifiquement euh, pour vérifier. Mais c'est vrai qu'on essaye d'éviter de de regarder un peu oui, son... les autres en termes de parodie, voilà pour pas trop être euh... ouais. oui, influencé, normal. même si, mm. si c'est vrai que souvent, quand je tombe sur des fan art et tout ça, du Seigneur des Anneaux ou d'autres interprétations graphiques, à chaque fois je me dis, ah, mais à chaque fois je suis un peu dégoûté, je suis ah, ils ont fait tellement <laughs> plus malin <laughs> que moi en termes de, <laughs> de design et tout ça, mais voilà, oui, après c'est le jeu euh, pour tout ce qui est parodie, de toute manière, en fait, euh, les. Rares parodies qui existent, ça fait longtemps qu'elles euh, qu'elles sont plus éditées. Ouais. Euh, Je n'ai pas du tout l'année de la dernière euh, éditée, mais euh, en tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a que vous sur, sur le terrain. Euh, Est-ce que vous, <laughs> vous sauriez expliquer pourquoi en il fait, n'y a pas plus de parodies dans cet dans ce, sur ce, cet univers-là euh... ah, C'est une bonne question. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas plus, parce qu'effectivement, c'est quand même un référentiel très commun. Peut-être que c'est par, euh, par respect. Ouais. <laughs> Ou quest de nous des gens très irrespectueux, mais bon. Euh... Ouais, je pense que c'est peut-être ça. Je ne sais pas Peut-être bah, pourquoi il n'y en a pas plus. C'est aussi, bah, quand nous, quand on est arrivés, ça faisait un certain temps quand même que les films étaient sortis, qu'il y avait donc un peu moins d'activité euh, autour de l'univers et, et de la licence, entre guillemets, euh, du Seigneur des Anneaux. Donc je pense que. Les éditeurs étaient un peu moins, moins, sur, le, moins sur le coup. Euh... Peut-être aussi parce que c'est un genre où, en fait, depuis, il y a eu beaucoup d'autres œuvres qui sont sorties qui sont déjà des autoparodies, enfin, qui sont des, euh, déjà des détournements des humoristiques des codes qui ont été donnés mmh. par certains des Anneaux, en fait. Donc, euh, mmh. ça, ça peut faire redite de se dire on va oui, faire du jour euh, là où euh, la fantaisie humoristique existe depuis, en fait. Oui, bah vu que le, oui, vu que l'univers du Seigneur des Anneaux, Star de Canva, de base, à, à pas mal d'œuvres de fantasy, euh, quand reprennent les, les, les codes et tout ça, oui, ouais. c'est vrai que n'importe, oui, pas mal d'œuvres fantasy humoristiques tout court pourraient être. Euh, ouais. on des lointaines parodies quoi. Du... Oui, déjà en fait ils font des blagues parodiques du Seigneur des Anneaux. Hein, parce que, parce qu'on peut pas le contourner quoi. Ouais, c'est peut-être ça, oui. Oui, c'est vrai que maintenant, euh, en fait, Tolkien, c'est plus ou moins immiscé dans beaucoup de choses en les inspirant. Mais c'est vrai mmh. que euh, quand je vois, par exemple, la proportion, alors je pas de chiffres ou quoi que ce soit de de BD humoristiques, ou etc., qui sont sortis plutôt euh, autour de la sortie des films comparé à, à maintenant, en fait, il euh, y, euh, bon, y a une bonne différence. Bah oui, bah oui, oui. Mmh. Euh, au niveau de la réalisation du coup de votre série de BD, est-ce que vous avez fait face à certaines difficultés en particulier euh... Sur la réalisation elle-même, moi de mon côté, je pense que non, parce que je, je, je crois qu'en tout, j'ai dû me faire refuser une dizaine de gags, je crois, qui, étaient, euh, qui ont été jugés un peu plus faibles que les autres, je pense. En fait, chaque euh... chaque scénario était ben, le chaque scénario d'Antoine, il y a moi qui le valide ou non, moi, je valide tout. Et après, il y avait notre éditrice qui validait ou non euh, les gags euh, pour essayer de garder la... les plus amusants et les plus compréhensibles aussi, euh, vérifier ça. Alors, je vous abandonne euh, 5-10 petites minutes et je reviens après. Il n'y a pas de okay. souci. Et donc, oui, pour, euh, concernant les difficultés, la... La première chose, c'était de. Ré... Vu que j'étais parti sur des. Euh, sur des représentations visuelles des personnages assez proches de. de celles qu'on voyait dans les films, souvent, il fallait un peu. rechercher de la doc et tout ça pour voir à quoi ça ressemblait mmh. dans. dans les films au niveau des costumes et tout ça. Donc, ça, ça. c'est une espèce de petite difficulté. Et après. Euh... Alors, avoir des références pour ce. Parce que vu que j'ai. que j'ai pas forcément. Euh... Pour être sûr que les gens reconnaissent bien les personnages, j'ai préféré me baser sur les... sur les visuels des films que beaucoup de gens connaissaient, que moi je maîtrisais à peu près. Comme ça j'étais à peu près sûr qu'on reconnaisse les persos à chaque fois. Et après, voilà, donc... L'autre la... difficulté, après c'est plus moi en termes de, de gestion, de... de timing et tout ça pour réussir à, à rendre les pages à temps, mais ça c'est vraiment... Euh... Plus, euh, plus personnel. Ah, sujet là. La, la prochaine question, bon, je la reposerai peut-être aussi quand Antoine sera là. Euh, donc jusqu'à maintenant, c'était euh, un tome par an à peu près. Je crois que le premier tome, ouais, il est sorti le... au mois d'août 2021, quelque chose comme ça. Euh, le, le premier tome, il est sorti en mai 2021 et après, on est passé au mois d'août pour les euh, deux suivants, pour le tome 2, puis pour le tome 3. C'est ça. Euh combien de temps de travail à peu près euh, pour, euh, pour, euh, comment dire, pour un tome Dans le sens, il euh, y a un travail sur toute l'année jusqu'au moment de la publication ou est-ce que c'est surtout euh, du coup, euh, euh, comment dire, ben... euh, six mois d'écriture, six mois de, euh, de dessin C'est en même temps com non, Comment ça se passe C'est petit à petit. En fait, euh, en... il y avait un espèce de, de planning euh, qui était établi où Antoine... Euh... Antoine écrivait une quinzaine de, de gags par mois, 15-20 gags par mois, et après, moi je dois, bah, je suis censé en dessiner 15-20 par mois, mais euh, voilà, de mon côté, j'ai tendance à en dessiner pas très rapidement au début et en faire beaucoup à la fin pour essayer de, de terminer l'album. Attends. Voilà, plus ou moins. Et avec souvent un peu de, de retard, hélas, ce qui explique le décalage pour le. Tome 2 du mois de mai au mois d'août. Je suis revenu. Ah, voilà. Donc oui, j'ai un petit, euh, une, petite, une, une petite bestiole à la maison qui vient de naître. Mais... Donc, euh, <laughs> je peux être amené à, à aller m'en occuper. Donc, là, on était sur le processus, comment ça s'était fait genre, tout au long de l'année. Donc, tu écrivais par euh, un groupe de 15 gags par mois, à peu près. C'est ça, ouais. Je faisais, en fait, voilà, je faisais en gros 15 scripts de gags par mois. D'accord. Euh, je les envoyais plus ou moins régulièrement à l'éditrice, puis qui nous disait ça c'est drôle, ça c'est moins drôle. Euh... Et puis en fonction de ça, on, dé... on... on les storyboardait, enfin Arnaud les storyboardait, m'envoyait les storyboards qui étaient quasiment toujours irréprochables dès le premier coup. Parce Il y a un certain talent oui. pour Évidemment. la scène. Oui, oui, oui. C'est assez, assez miraculeux parce qu'en fait on n'avait jamais travaillé ensemble avant ça, même si on avait fait nos études ensemble, mais euh... enfin, les études de dessin. Mais euh, mmh. à chaque fois que je lui envoie un scénario, il comprend tout de suite euh, où est le gag, ce qui est drôle dans le gag, et comment le mettre en valeur. Donc euh, là-dessus, ça marche très très bien. Il serait qu'on a, a un truc assez rigolo, en fait, il, dans, les... dans ces scénarios, il n'indique pas forcément euh, le découpage. Ben, ça dépendait des gags, mais pas toujours exactement en, com... en combien de cases il veut le gag et tout ça. Il laisse pas mal, euh... Antoine me laisse pas mal de liberté sur euh, comment euh, mettre ça en scène. Donc ça, au moins, pour, pour moi, c'est assez rigolo euh à mettre en scène, ça fait un peu un petit puzzle à résoudre pour essayer de rendre ça drôle. Ouais, euh, c'est ça. Donc ça, c'est vrai que c'était assez amusant. Donc après, oui, après du coup, le jeu, c'est aussi oui, de, de voir, euh, en lisant le scénario d'Antoine, où est-ce qu'il veut que ça soit drôle. Euh, <laughs> ou pas, oui, mais... vous coordonner après sur euh, comment vous allez faire ça. Bah, souvent, en fait, ça. Je, là, je lis son scénario, je lui envoie une version, des fois plusieurs versions, parce que j'hésite un peu sur euh, comment rendre au mieux le, le gag et et il me dit si oui ou non ça, ça lui convient, mais souvent, euh, globalement, que ce soit lui, ses scénarios, moi j'avais tendance à valider tout de suite, ou moi quand je lui envoyais des storyboards, tu avais tendance à les valider immédiatement aussi. Il y a deux ou trois cas vraiment où je me disais, ah, ça serait plus drôle de faire comme ça, mais oui. en général, fait, quand toi-même, tu as un doute, tu m'envoies quatre ou cinq versions différentes, ouais. et on euh, me dit, ah oh, j'ai réfléchi, en fait ça, ce serait plus drôle comme ça, Puis, moi j'arrive. Une semaine après, j'ouvre Discord, j'ai 15 notifications. Ah bon, bah ce problème s'est résolu tout seul, en fait. Et puis, voilà. oui, de toute façon, j'ai tendance à. Euh, sur la... Quand je termine euh, un storyboard, souvent sur la dernière case. J'ai euh, tendance à éviter entre 2, 3, 4 versions. Donc, euh... Des fois, je propose tout d'un coup et je dis Allez, tu choisis celle que tu préfères. <laughs> et c'est pour ça que sur le tome 3, Antoine a dit digital... Allez, choisis toi-même ce que tu préfères ça sera très bien. <laughs> ça sera plus efficace comme ça. De manière générale, Arnaud, quand tu réalises du coup une, une planche complète, hein, de A à Z, une seule, ça te prendrait combien de temps, par exemple euh, bah, ça, ça a été Je te variable. laisse répondre et je vous ouais. Désolé. <laughs> en fait, non, ça. Non, ça a été très variable, parce que ça dépend vraiment du... Ça dépend de la complexité de la page et euh... en fait du nombre de personnages qu'il y a par page, peut... s'il y a des, des détails genre des... des grands décors, des chevaux, des machins comme ça. Ça peut vite rallonger ou pas la la page. Donc ça ça après pour le pour le dessin, ça peut vite prendre une journée ou, ou deux. Ça dépend. Bah ça dépend du moment où j'en suis. Est-ce que faut que je sois rapide pour pour boucler l'album ou pas Et pour la colorisation, ça va être pour la colorisation. En une journée, c'est fait. Ça peut, ça, va être entre, ça peut être entre 4 et, 4 et une dizaine d'heures pour la partie colorisation. Mais voilà, après, il faut, faut savoir que je ne suis pas spécialement euh, rapide et c'est parce que j'aime bien euh, peaufiner pour, euh, pour essayer d'être content au, au mieux des pages. Oui, Satisfait du résultat, c'est normal. Voilà. Mais après, après ça, ça dépend un peu des pages. Sur, ouais, sur chaque tome, il y a des pages qui ont, qui ont été un peu plus faites dans le dans le rush et des pages où j'ai pris où c'était plus vers le début de l'album ou un moment où, où je, je ne me souciais moins des, des deadlines et je prenais mon temps euh, pour vraiment avoir une page qui, aux petits oignons qui me plaise euh, Je n'ai pas compté euh, le nombre de pages parce que voilà, ça fait combien à peu près de, de... Normalement, il y a euh... à, peu près 100, à peu près 120 gags par, euh, voilà. par album à chaque fois. D'accord, ok. Et okay. souvent, vu qu'il y a des gags qui sont en deux pages, et en fait, Antoine, quand il, quand il les écrit, il ne sait pas forcément s'ils vont être en une ou deux pages. Souvent, c'est moi après, au... quand je fais la, donc le storyboard, les croquis euh, qui établissent si ça va être euh, en une ou deux pages selon l'action. Quand il y a des combats ou tout ça, souvent, j tend... pour que ça soit lisible, j'ai tendance à. À faire des, des découpages un peu plus longs donc lui il sait pas exactement combien de gags il a donc il a tendance à souvent à en écrire un peu trop un peu plus de 120 et après voilà donc après il y en a, il y a quelques gags en trop du tome 1 qui sont retrouvés dans le tome 2 et ainsi de suite quelques gags en trop du, du tome 2 qui sont retrouvés dans, dans le, tome 3. Ah, le tome 3 et toi, là on en a, on en a encore euh, quelques-uns en, en surplus qui n'ont pas pu être euh, illustrés euh, à chaque fois, en fin d'album, je dois faire des choix en... en décidant lesquels je ne dessinerai pas, euh... alors qu'ils sont tous drôles. Peut-être un tome 4 alors du coup Et ça, on... ça en fait, c'est vraiment du côté de... Mmh. C'est d'abord l'éditeur qui va décider. Il va décider. Et, et qui va le décider de manière très pragmatique dans un premier temps, si, selon, les... enfin, selon si la série continue à se vendre ou pas. C'est vraiment d'abord ça, après bon, si de leur côté ils veulent continuer ou pas. Et après, voilà. et après, dans un second temps, ils nous demandent à nous et nous si on a envie de notre côté de continuer, si les conditions sont OK et tout ça. En tout cas, il faut se rever sur les trois premiers, du coup. Voilà. Oui, oui, acheter les... Pour être sûr, euh, un... <laughs> un... sûr un... d'avoir un tome 4, il faut... Là, pour en tout cas augmenter les chances d'avoir un tome 4, il faut... <laughs> acheter le tome 3, c'est... Ou racheter le tome 1 et 2, parce que je pense que la, <laughs> la série redémarre. Oui, enfin bon, c'est peut-être plus intéressant d'acheter les nouveaux tomes, du coup. Pour... Oui, pour les... <laughs> Alors, et, je euh, sais pas... notamment... Euh, pardon, vas-y. Non, non, mais juste pour dire, voilà, c'était vraiment euh, d'abord une question de vente euh, qui décidait euh, de l'avenir ou non de, de la série. Alors, je sais... Euh personnellement en tout cas que quand vous avez sorti le tome 1 euh, donc en fait il a été sorti une première fois puis réimprimé un peu plus tard avec un petit numéro donc le mien oui. n'en a pas quand vous oui, l'avez sorti éditions, voilà il n'y avait pas les encore de projet de, de continuer enfin ça, ça dépendait c'était un peu un essai le premier je crois pour voir comment ça se passait déjà euh, enfin, entre nous avec, mm. euh, avec l'édition et tout ça et mm -hmm. puis bah ouais je crois que l'idée c'était d'en faire un de voir ce que ça donne et comme on a vu ce que ça a donné, que ça s'est bien passé, il ben, y a eu les autres qui sont arrivés un peu après. Quoi. Ouais. On avait déjà évoqué avec, euh, avec l'éditrice et tout ça, bah, nous avait déjà évoqué de, son, de leur côté la volonté d'en faire plusieurs si ça marchait bien. Ils avaient, en tout cas, dans, dans un premier temps, ils, ils aimaient bien l'idée d'accompagner euh, la sortie de la future série à l'époque. Ils disaient, tiens, ça pourrait être sympa d'avoir... Euh, si on peut, oui. les, les tomes pouvaient sortir pour accompagner les saisons. Mais voilà. Après ça, c'était l'idée de base. Oui, Et mais d'abord, on en a fait autre chose, mais voilà. Et d'abord, ils voulaient voir. Euh... Ils n'ont pas voulu s'engager tout de suite sur le fait que ça allait être une série parce que si, si ça n'intéressait personne, une parodie de, du Seigneur des Anneaux, ils, eux, ils n'allaient pas prendre de risque d'en faire 15 euh, tout de suite. Oui, non, évidemment. Parce que ils ont, dans leur collection parodie, ils en ont lancé plein. Il y a certains qu qui qui Ont plein de tomes bah, qui ont jusqu'à cinq tomes et d'autres où se sont arrêtés au bout de un ou deux tomes parce que voilà, ils, ils ont dû estimer de leur côté que, que le public euh, vivait pas suffisamment ou des choses comme ça. Quoi, je sais pas après en détail pour chaque projet, mais alors du coup, tu as, si as le tome 1 sans, euh, sans son petit numéro, tu pas son sous-titre non plus, qui je crois est, euh, la calamité de l'anneau pour le 1. Non, oui, je bah je l'avais acheté du coup à l'époque sur les terres de l'unique hein, où vous étiez invité ah, oui, oui. et du coup, bah je n'avais pas le. le, le n'est pas le sous-titre non euh, le mien est une est première, un... euh... première première élire. version <laughs> voilà c'est toujours un grand moment pour nous de trouver les titres c'est toujours l'occasion de, de faire des combats de calembours horribles d'ailleurs en parlant de calembours s'il y en a qui vous semble vraiment scandaleux dans les livres ah oui sur les, les nouveaux noms des personnages ou des choses voilà. comme Et... ça ou des, ou des lieux par exemple ou des lieux par exemple au hasard <laughs> il faut savoir que les calembours les plus le plus horrible en général viennent d'Ardo. Voilà, je pense que c'est important de le dire. Bah, Disons qu'on avait un fichier sur lequel on pouvait suggérer les nouveaux noms qu'on allait mettre au, aux différents éléments, oui. et qu'après c'était voilà c'était les, les ou d'autres l'équipe éditoriale qui validait ou pas. Oui, voilà, on n'a jamais de. Trop... Et donc voilà, donc des fois Antoine <laughs> n'a pas donné son accord. Moi j'ai mis sub subreptissement dans le document des. Des, des noms qui me semblaient amusants, qui ont été validés, et, et qu'Antoine a un peu découvert sur le tas. Qui me semblait moins amusant. Donc, c'est ainsi il n'y a pas mort d'homme. Et... Voilà, pour le mordor Donc, ça, je suis toujours pas validé. Hein, ça, pour moi, c'est toujours non. C'est grâce à moi. Voilà, c'est ça. J'ai des listes, en hein, toute façon, des pires. Euh me <laughs> regarde sur le, le nom du tome 3 c'est moi qui ai construit sur, sur ta première intuition euh. Et tu euh, le retour bien, du roi oui c'est oui, ouais. là c'est un, une des meilleures celui-là ouais. ouais, ouais, ouais. je le valide mmh. alors cette fois-ci c'est moi qui ai disparu mais c'est pas grave pas enfin, moi euh, l'essentiel <laughs> <laughs> Alors, quand je règle ça, euh, je voulais vous demander votre tome préféré parmi les trois. Est-ce que vous en avez un qui que vous préférez, dont vous êtes mmh. plus, euh, plus satisfait ou, ou dont vous préférez l'humour hein, Je sais pas. Le troisième. Ah ouais. Le troisième. Ouais, non, je les aime tous. Je les aime tous. Euh, les aime tous quand ouais, je, quand le, le troisième, j'aime bien, bien sa variété pour le troisième au niveau des. Je trouve qu'on couvre pas mal des. Je trouve qu'on couvre un peu tous les tomes. Un peu le hobbit aussi, un peu la série. Donc, ça, c'est vrai que ça, ça c'est plaisant. Je pense que le premier, on faisait nos armes, un petit peu. On se vraiment, mmh. ah oui, tiens, on peut faire ces blagues-là. Peut-être certaines qui sont un peu moins originales, je sais pas. Sur le deuxième, on, on allait beaucoup plus dans le, la connaissance euh, détaillée et exigeante des livres. <laughs> Donc, ça mmh. a été un peu plus dur à suivre déjà, pour certains. Euh, mais bon, je pense que là, le livre reste, reste accessible, je, je trouve. Et sur le troisième, peut-être qu'on voilà, a trouvé un peu le mélange euh, érudition et couillonnage euh, euh, le plus ouvert, je pense. On n'a pas encore eu beaucoup de retours sur le tome 3 non plus, donc euh, ça, ça, ça se trouve que les gens détestent. Mais... Ça se trouve, les gens le détestent et pensent que c'est le, euh, de... le pire. Je pense qu'au ouais, niveau du scénario, tu étais pas mal sur le, le tome 3. Merci. Tu très euh, bien le... sur le dessin le... aussi. <laughs> De, de mon côté, j'aime bien le tome 1. C'est le premier, quand même. Mais je crois que le tome 2, ça doit être celui dont je suis le plus satisfait graphiquement. Ouais. J'ai le plus fait que... bah, ce que. Voilà, C'est le plus, plus que ce qui ressemble à, à ce que je voulais vraiment. Ouais. Voilà, donc ouais, je dirais peut-être le, peut le tome 2, mon. Le préféré. Mon préféré. Donc... Mais après, voilà. Après, c'est. Que je les aime tous, Donc, tous d'incroyables albums. D'accord. Euh... Alors je réfléchis parce que du coup j'étais un peu concentrée sur la caméra. <laughs> euh... Caméra qui clignote. c'est -ce bon, ça ça marche. Oui, qu'ils fais que clignoter, c'est c'est compliqué, hein, mais voilà, c'est bon, ça marche. Euh... <laughs> je voulais savoir un petit peu au niveau. Donc je reviens un petit peu à Tolkien. Euh, Est-ce que vous avez un passage préféré, que ce soit dans les films ou dans les livres notamment Pour ceux qui ont lu non. les livres jusqu'au bout. <rire> 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 Je pense que j'aime beaucoup le moment où la communauté se sépare. Parce que... Je trouve que c'est un peu une, une fin euh, dans, enfin euh, c'est une fin dans au milieu d'un récit donc ça me plaît, j'aime ce genre de structure. Et puis euh, c'est, euh... enfin, je sais pas, c'est un mot qui, qui me plaît bien poétiquement. du coup c'est pas du tout drôle ce hein, c'est pas, <laughs> pas du tout un mot humoristique. Mais euh, ouais c'est un de mes passages préférés, je pense quand la communauté se rend compte que c'est pas, pas euh, son but n'est pas d'être une communauté quoi qu'elle a terminé sa mission bien avant avoir terminé sa mission. Ça, ouais, je bien. vois. J'aime bien ce moment-là. Toujours ouais. en accord. Après, avec les méchants, j'aime aussi absolument tous les passages où il y a le roi sorcier de mar évidemment. <laughs> hein. Évidemment. <laughs> le siège de Elastiri, tout ça, enfin, j'aime beaucoup. Non, bah de de mon côté, j'ai dans, dans le peu que j'ai lu des, des livres, j'ai bien aimé découvrir le passage où ils s'endorment auprès du au pied du sol, ah euh, oui, oui, oui. Et, qui veut les avaler là. Ça oui. c'était une, une belle une belle découverte. Et après dans dans le reste, j'ai peut-être les passages avec, je pense que c'est les passages avec Gollum, il y a toutes les tous les moments un, un peu entre Sam et Gollum là qui veulent se on peut se taper dessus, Ils ne s'entendent pas très bien. Oui. La relation compliquée entre Sam et Gollum me, me, me plaît bien. Ils sont tellement, euh, tellement euh, différents en fait, tellement, mm. <laughs> par tout ce qu'ils représentent et tout ce qu'ils sont. Et en que est plus, ce qui, est, ce qui est rigolo, c'est la perception de, de Frodon des, des événements qui n'est pas du tout la même que, que celle qu'a Sam à chaque fois. C'est tout un, tout un jeu de quiproquo. Et, et moi, je crois que je vais vous aborder cette fois-ci définitivement, euh, euh... parce qu'il faut que j'aille m'occuper de ma oui. de la progéniture, là. <laughs> Le petit obit. <laughs> tout à fait, donc, voilà, qui est toute récente, donc euh, qui ne comprend pas les interviews longues. Ah, non. Bon bah... courage, alors. Bon courage, merci te... beaucoup. Je... Bah, comme je te disais de toute façon avant, Arnaud a tout pouvoir d'avocat de... pour parler en eh oui, mon bon nom, que... et euh... <laughs> tout ce qu'il dira à mon... à mon sujet sera vrai, voilà. C'est officiel. De toute manière, <laughs> s'il si dit une bêtise, il y aura la rediffusion du live. Tu auras une preuve. Hein, pour, euh... On pourra corriger. Euh... Oui, oui. Et puis euh, juste, je vois dans le chat euh, que j'aime aussi beaucoup le passage avec Bédor et Tom Bombadil. Quand ils sont dans la maison, c'est ce petit, cette espèce d'interlude dans mmh. le dans l'espèce de, de petit paradis champêtre, ouais, très euh, chaud de passage. avec Bédor qui. qui qui est un personnage charmant dans le livre. Mmh. J'aime beaucoup, beaucoup ce, ces passages-là. Évidemment, voilà, les films ont fait le choix de ne pas mettre euh, ni Todd Bombadil, ni, euh, ni tout ce qu'il représente, ni tout ce qu'il est, et tout ce qui l'entoure. Parce que, voilà, de toute façon, une adaptation, c'est un... C'est des choix. C'est des choix. Et aucune adaptation ne supprime l'œuvre originale, heureusement. Mais euh, voilà, ça, c est, c est, dans le livre, c'est un des passages les plus confortables, les mmh. plus chaleureux. Mmh. Voilà. Et sur ces belles paroles. Je vous remercie pour l'invitation. Bah, merci d'être venu en tout cas, ça fait très plaisir. Ça fait un, un vrai plaisir et puis, euh, et puis à bientôt. À la prochaine, bonne soirée et bon courage. À bonne soirée, merci. Salut, ouais, bonsoir. Donc du coup on va continuer avec Arnaud parce que moi j'ai ouais. pas fini <laughs> le chat non plus. <laughs> euh, alors. Euh... Sur Les imprévus d'un bébé bah oui malheureusement hein, c'est difficile de lui expliquer que euh, voilà, il faut rester seul hein, pendant une heure mmh. pas évident alors euh, du coup je voulais savoir du coup Arnaud est-ce que tu sais si euh, votre BD du coup avec Antoine trouve un public euh, ailleurs qu'en francophonie euh, alors par je... francophonie j'entends euh, France Belgique éventuellement Québec et Dom Tom quoi euh, bah... Dans en francophonie, euh, je sais qu'on a quelques lecteurs en, en Suisse. Je... Oui, ben, en Suisse, parce que j'ai déjà eu un, un lecteur qui m'avait demandé, euh, un, un lecteur suisse qui m'avait demandé si je pouvais lui dédicacer un album par correspondance et tout ça. D'accord. Donc euh, en francophonie, oui, je... on a au moins des lecteurs en, en Europe. Non. Après, pas, je crois pas avoir eu d'écho du Québec, donc je ne sais pas trop. Et pour tout ce qui est l'Afrique francophone et tout ça, j'ai n'ai pas eu d'écho non plus. Et en dehors de la francophonie, bah, sont les, les, je crois que les ouvrages de parodie ont, ont un ont peu de mal à, à s'exporter parce que ça doit être compliqué selon les... les législations de chaque pays en... Concernant les parodies et tout ça, donc euh, c'est vraiment pas. Je crois qu'aucun des ouvrages de la collection parodie chez Jungle n'est vra vraiment sorti à l'étranger. Donc euh, nous, il n'y a pas du tout eu cette, cette question de sortir en, en traduction. Donc je ne pense pas qu'on ait vraiment. Euh, on n'a pas eu d'écho du tout hein, de, en dehors de la francophonie. Voilà, je ne sais pas si ça couvrait toute la question. Oui, si, si. Bah, c'est vrai que le problème du... du droit et de la parodie, euh, je sais pas les tenants et les aboutissants, mais c'est vrai qu'en France, on a quand même euh, quelques libertés entre guillemets à ce niveau-là. Et c'est vrai que je pense qu'à l'étranger. Mais ça doit pas euh... être pareil partout. C'est vrai que, ouais, je crois qu'aucun autre de la collection n'est sorti, euh, n'est sorti ailleurs, quoi. Alors que des fois, ça, pour d'autres, euh, bah pour d'autres types de BD, ça peut se faire assez facilement une une traduction dès que la BD a un peu de succès, mais c'est vrai que pour nous, ça n'a pas... jamais été... En tout cas, on ne nous, a... nous en a jamais parlé d'une du... traduction dans... dans une autre langue. Donc, si, si ça s'est fait, on n'est pas au courant. <laughs> en tout cas, la question n'est pas... pas vraiment... On n'a pas été posée quoi, en tout cas, de non. proposition de traduction. D'accord. Ok. Non, pas... pas à ma connaissance, en tout cas. Ok, d'accord. Une question que j'aurais voulu poser à Antoine aussi, mais bon, bah tant pis, on fera sans. Euh, Est-ce que tu... Est-ce qu'il y a quelque chose... Enfin, Qu'est-ce que tu apprécies le plus en soi dans l'univers de Tolkien Alors je vais englober aussi les films du coup dans, <laughs> dans la question. <laughs> Désolé. Non mais c'est comme j'ai dit, il n'y a... a aucun mal à ça. Hein, c non bah, parce que... après, dans... dans ce que j'aime bien, c'est en fait pour Tolkien, ce qui, qui m'a aidé aussi à mieux comprendre son, son travail, c'est après avoir bossé sur le tome 1, je suis tombé sur le, le bouquin euh... hommage à. Euh, euh, Tolkien, la ah, lettre du milieu de, de Yannick. J'ai fait sa promo. <laughs> J'ai lu ça après avoir lu le ah, tome. Ça m'a permis de mieux comprendre aussi euh, Tolkien et son œuvre. Et c'est vrai que moi, je ne connaissais pas... Euh... Ben, je savais qu'il y avait le Silmarion, mais je ne savais pas qu'il y avait tous les autres œuvres euh... qu'il avait fait aussi, qui ont été publiées après petit à petit. Donc c'est vrai que ça m'a ça permis d'avoir une meilleure compréhension. Euh... De, de tout ce qu'il avait écrit et aussi de ce dans, dans, dans cas de ce qu'on pouvait euh, comprendre de ce qu'il intéressait dans l'écriture de ses, ses romans et tout ça. Mais c'est vrai que moi, bah après, ce que, que j'aime bien particulièrement... Et, oui, voilà, c'était pour... Je, je disais ça par rapport à comprendre tout son intérêt pour les généalogies, les noms et tout ça. Pourquoi tous les personnages avaient 18 noms et, et tout ça bon, J'exagère bien sûr. Et après voilà ce qui Parce que j'aime bien c'est le j'aime bien le côté très nature avec les personnages qui sont dans ça qui me plaisait aussi dans les dans l'idée de d'aller dessiner l'univers du Seigneur des Anneaux c'est que je... je savais que j'allais dessiner beaucoup de décors naturels et compagnie des forêts et tout ça donc ça ça, ça me plaisait bien le côté bah, le côté aventure forcément quoi c'est c'était très plaisant j'ai ouais, il y a, de... bah, y a, le... Ouais, y a co... le côté épique quoi c'est assez euh... assez classique mais, euh... comme réponse je pense mais c'est vrai que c'est vraiment... Bah, vraiment efficace quoi il pas de il n'y a rien à redire là-dessus parce bah, les... les personnages sont soit sont... Ouais, sont assez forts ils sont... ils sont caractérisés euh, de manière assez euh, on va dire un peu archétypale peut-être au premier abord mais du coup ils sont tous très euh, très distinct distinguables euh, assez facilement c'est ça qui me qui me plaît bien aussi quoi c'est un peu des archétypes forts à chaque fois c'est ça aussi qui permet d'ailleurs de, de les représenter assez assez facilement parce qu'ils sont tous euh, en plus quand, dans l'adaptation qu'ils en ont fait ils sont vraiment tous physiquement très très différents donc euh, non, ce, ce côté aventure épique est, est ouais, très plaisant. Et avec présentation. Le... Mm. Alors, une question que Dieu posait poser à Antoine quand il était encore là. Euh, donc, il est aussi illustrateur. Oui, oui, voilà. mais, ah, oui, oui. Antoine est, est, est aussi, bah, d'ailleurs, son jeu vidéo qu'il qu évoquait au début, il avait un... Il a intégralement fait les parties, euh, bah, les dessins du, de son jeu vidéo aussi, parce que c'est un jeu vidéo qu'il a fait tout seul. Et il, avant de faire euh, les webtoons dont il parlait, il, est, il les dessine euh, aussi. Et il avait sorti aussi deux albums euh, qui s'appellent euh, Tiny and Tall, qui sont oui. des, des petits gags, où là, il, fait, il faisait scénario et dessin. Et c'était là d'ailleurs où j'ai pu constater euh, qu'il savait faire du gag euh, en 3-4 cases, qui était drôle. Donc, je savais aussi quand, quand j'ai suggéré son nom à l'éditrice que voilà, il y avait une preuve qu'il était vraiment drôle sur ce format gag. Oui, capable de faire de l'humour sur un format court, voilà. hein, ce qui n'est pas forcément évident. Mmh. Est-ce qu'il y a pour projet potentiellement, ou est-ce qu'il se sentirait si tu sais de peut-être d'illustrer une ou deux, euh, une ou deux planches d'un futur tome, par exemple ben, Moi, j'aimerais bien. Après, le truc, il y, aurait, il y aurait pu avoir une occasion euh, de faire ça, mais ça s'est pas concrétisé cette année parce qu'il n'avait pas le, il avait pas le temps. Était assez occupé avec euh, l'arrivée la, la, à l'époque de la future progéniture euh, qui est depuis là et qui, qui est responsable de son départ euh, précipité. Mais euh, déjà, il fait les. Pour les couvertures, à chaque fois, on, on les fait en collaboration où je, il les peint. En fait, toutes les, les, les couleurs des couvertures, des trois couvertures, c'est celle d'Antoine euh, à partir de, de mes dessins. D'accord. Ah oui, euh, au niveau du fond, tu veux dire Ouais, en fait, moi, je fais, euh, je fais juste un croquis au premier croquis. D'accord. Il peint par-dessus parce qu'au début, l'idée, c'était vraiment d'essayer de, de reproduire un peu le. Côté peinture, des, des romans euh, fantasy un peu anciens qui, sont, qui ont souvent des peintures assez épiques ou même des grands illustrateurs du Seigneur de dano qui peuvent sortir dans des, des peintures assez épiques. C'est d'avoir ce côté un peu là. Et après, pour ne pas que ça soit non plus trop éloigné de ce qu'il y a à l'intérieur, je reviens par-dessus faire un, un ancrage, un cerné au, au plus foncé pour euh, voilà, qu'on retrouve quand même bien le trait du... Des albums, mais voilà, à chaque fois ils ont fait ça en collaboration et donc ils participent euh, voilà, au, moins à la... au moins à la couleur de la couverture à chaque fois. D'accord, et réaliser un album euh, où tous les deux vous illustreriez euh, certaines planches euh, et ah. ça pourrait se faire. Ou... Enfin, C'est juste une question, oui, mais... oui. Ouais, le... Je pense qu'une page ou deux, ça le ferait. Après, je sais mmh. pas si... Je pense que ce serait surtout une question de temps de son côté. Moi, ça me ferait plaisir de le voir euh, dessiner plein de gags et tout ça. Mais euh, je pense que si ça se ferait, ça serait sûr, ouais, assez, assez occasionnel. D'accord. Mais euh, il a aussi dessiné une couverture complète d'un ouvrage que nous envisageons peut-être d'annoncer aujourd'hui. Et que, donc, du coup, je pense qu'on peut, peut faire Vous cette annonce en, en grande pompe. C'est qu'il va y avoir euh, une intégrale des tomes 1 et 2, une euh, intégrale dite collector euh, par, par la maison d'édition, voilà, un, un ouvrage qui va regrouper les tomes 1 et 2, euh, qui va sortir le 2 novembre, et dont la couverture a été entièrement réalisée par, euh, par Antoine, cette fois-ci, sans intervention de ma part. Bah, je l'ai déjà dit, mais j'ai hâte de voir, de voir le résultat. Voilà, donc ça sera vraiment... Ça reprendra les tomes 1 et 2 intégralement. Et il y a quelques pages faites par des guest stars. Donc c'est là où on aurait pu avoir notamment des pages faites par Antoine, parce que ça va être d'autres interprétations graphiques et, et scénaristiques de, sur le Seigneur des Anneaux. Mais voilà, faute de temps, Antoine n'a pas pu, pas pu je vous faire le de pages là-dedans, mais on aura des pages faites notamment par les autres auteurs de la collection parodie qui sont venus donner leur regard sur, sur le, une parodie du Seigneur des Anneaux, comment ils interprètent l'univers à leur sauce. Pour avoir vu les pages, ça, ça va être très rigolo. Voilà. Comme ça, c'était un petit bonus euh, amusant pour le tome, sans que ça soit non plus, je pense, trop... Euh, trop embêtant pour ceux qui ont qu on déjà les deux tomes, parce que c'est un truc assez à part. Quoi. Pas... Oui, il y, du... euh, comme... y a du bonus. Quoi. Si, on... Voilà, il y a du bonus. sans que ça soit. Pour ceux qui ne l'ont pas, je pense que c'est pas trop frustrant non plus. Ce pas comme s'il y avait euh, 40 nouveaux gags euh, de notre main euh, en plus. Donc voilà, je pense que ça peut contenter tout le monde. Quoi ceux qui ne veulent pas euh, racheter un truc qu'ils ont déjà et si ce, ceux qui veulent faire la collection complète, il y a quand même un, un petit un des trucs en plus. Euh... Donc voilà. Voilà, donc on a l'exclusivité de l'info. <laughs> <laughs> oui, voilà, c'était annoncé pour la première fois ici. Donc euh, c'est le 2 novembre, tu m'as dit, c'est ça Ouais, ouais ouais, c'est ce qui est ouais, 2 novembre, c'est ce est 2 novembre donc. OK, très bien. Et, bah, et, ah oui, et J'y pense, j'avais vu cette question dans le chat, mais c'était il y, y a quelques temps, sur euh, il n'était pas disponible, que le, le, le livre n'était peut-être pas disponible sur les magasins Fnac ou Cultura. Alors, si, si vous ne le voyez pas en magasin, il faut le demander aux au libraires du magasin, qui peuvent le commander. Après, c'est juste eux qui ne l'ont pas forcément en rayon à, à n'importe quel moment, mais... Euh, dans toutes les librairies ils peuvent le commander si vous le demandez. Parce que normalement il n'y a pas de. C'est vraiment un choix de la librairie ou oui. qu'ils ne l'ont pas commandé ou parce qu'ils tous, tous ont tous été vendus s'ils ne l'ont pas. Il n'y a pas de. Nous, on est dans. A priori, le livre est distribué dans toutes les enseignes qui le demandent. Vous pouvez nous paraître pour les pour les librairies en ligne. Puis sinon, ouais. euh, ils sont en ligne aussi, oui, effectivement, sur Cultura ou la Fnac. Euh... Ils sont voilà, trouvables, les... on peut les commander, c'est pas mmh. un souci du tout. Sur, la FNAC, il est toujours... sur le site de la FNAC, il est toujours disponible. Je crois que ça doit être pareil pour Cultura. Si vraiment vous ne les trouvez pas en magasin, vous pouvez les commander en ligne. D'ailleurs, je crois que c'est des livres qui se vendent plus en ligne qu'en qu librairie. Donc ça explique aussi pourquoi des fois vous ne le trouvez pas en... en magasin, apparemment. Les gens aiment l'acheter en ligne. A... Ah oui, d'accord, ok. <laughs> C'est peut-être des habitués qui les commandent plus facilement. En ou... ouais. tout cas, voilà, dans les... je crois que c'est dans les librairies spécialisées BD. Pas... Apparemment, ce n'est pas là où les parodies font leur plus grosse vente. C'est plus dans d'autres types de magasins, donc Fnac, euh, Cultura, ou euh, donc, tout ce qui est euh, les... les sites web euh, qui vendent des BD. D'accord. Voilà. Pour ce petit point, euh, disponibilité. <laughs> Trouvable un peu partout, surtout que donc, Tom 3 Et vient voilà, de sortir. N'hésitez pas à demander aux libraires si jamais vous ne le trouvez pas en magasin. Ils, pourront, ils peuvent tous vous le, le commander dans ce cas-là. Euh, au niveau de l'avenir de cette série de BD, comment est-ce que Antoine et toi, vous, vous le voyez euh, Est-ce que vous comptez vous documenter un petit peu plus en lisant les autres livres Est-ce que euh, vous comptez continuer sur la, enfin, sur, euh, comment dire les parodies sur la série Parce que donc, le tome 3. Euh quelques ouais. bonnes planches sur la série Amazon, voilà. <laughs> sur le tome 3, oui, on a, on a commencé ça. Mais je pense que si, euh, si, la, si la série est amenée à continuer, je pense qu'on va continuer continue de, de, de parodier un peu tout ce qui, bah, ce qui sort autour. De la... Bah, y a bah, si la série continue, on va continuer de la. Bah si la série Amazon continue, on va continuer de la parodier. Et je pense que s'il y, y avait à un moment un projet de film d'animation Netflix là, euh, par, par des studios d'animation japonais, je sais pas où ça en est, si ça, si ça, ça sort, peut-être qu'on parodiera aussi. Après, ça dépend aussi de ce qui, ce qui plaît à de ce qu'Antoine aurait envie de parodier. Donc, je pense qu'on va continuer un peu à parodier tout ça, mais voilà, je pense qu'on va par exemple, les jeux vidéo qui sont sortis, ça n'a jamais été un sujet pour. Euh, oui, de parodie. Ouais. On n'a jamais euh, envisagé de les, mais il jamais envisagé de les parodier. Donc, je pense qu'on va quand même se concentrer sur les trucs assez, euh, sur les éléments assez principaux. Donc, lui, je... il a l'air intéressé par euh, pousser un peu plus loin dans les, dans les autres œuvres euh, complémentaires de. Du Seigneur des Anneaux, dans le cinéma Marion et tout ça, il avait l'air de vouloir y creuser un peu plus. Donc, euh, je pense que ça, on pourrait avoir d'autres gags évoquant cela euh, à l'avenir. Après, ça, ça, ça dépend aussi de son. Honnêtement, je le laisse assez libre sur le sur le choix des sujets, donc ça va. Ça va dépendre vraiment de ce qui ce qui l'inspire. Parce que c'est après, c'est vrai que au bout d'un moment, si euh, si en relisant les les Premiers tomes, il a, il a moins d'inspiration. C'est vrai que c'est ça aussi l'avantage d'avoir cet univers à tous ces autres livres, c'est qu que ça donne du contenu adapté. Mais après, il y a aussi oui, oui. le fait que plus, plus on va chercher dans ces livres-là, plus c ça s'adresse à un public niche, vu que c'est des, des ouvrages qui ont peut-être été moins, euh, moins lus que les, les principaux. C'est ah, vrai après, que. J'avais lu le tome 2, notamment. Donc, dans le tome 2, il y avait, euh, je crois, deux planches sur le Silmarillion, donc deux petites blagues qui sont compréhensibles même par ceux qui n'ont pas lu le Silmarillion. Mais c'est vrai que plus euh, vous allez vous enfoncer là-dedans, plus c'est à risque, effectivement, que le... qu'il y a un public qui ne comprenne pas. Après, voilà. euh, je veux dire, les blagues sur Tom Bombadil, c'est un peu pareil. <laughs> je veux dire, je pense qu'il y a des gens, ils ouvrent votre BD, ils voient ça, ils font c'est mais c'est qui ce joyau luron Oui, il sort. Ça c'est vrai que moi j'en avais entendu parler euh, avant de, de lire les, les bouquins donc c'est vrai que dès qu'on a eu euh, dès qu'on a commencé à bosser sur les albums j'avais évoqué l'idée à Antoine de, de mettre Tom Bombadil parce que ça, ça m'amusait ce, ce perso qui faisait débat sur son côté un peu hors norme par rapport au, au reste des personnages donc c'est vrai que j'étais tout de suite hein, il faut qu'on mette Tom Bombadil euh, même s'il n'est pas dans, dans les films mais oui, après, voilà, c'est vrai que ça peut vite perdre le, le lecteur. Et c'est vrai qu'après, ce n'est pas le plus évident pour moi qui n'ai pas lu les. <laughs> Parce qu'à chaque fois, encore sur les films, j'ai bah, vu les films et hop, il y a des références visuelles pour à quoi ressemble tout le monde. Mais c'est vrai que pour toute per... tous ces autres personnages-là, il faut vraiment, après, du coup, les fameux wikis, là, se deviennent très utiles. Deviennent... Ils voilà, deviennent très utiles pour essayer de rassembler le max d'infos sur chacun. Et... Et faire une représentation qui soit à la fois de toute façon après je... heureusement c'est de la parodie donc je peux toujours faire un peu, un peu des bêtises par rapport à tout ça comme mais... l'avantage chez Tolkien c'est qu'il y a quand même des personnages qui sont euh, moins décrits que d'autres on va dire oui oui voilà oui il y a l'air ouais. d'avoir des personnages assez assez libres des fois dans l'interprétation visuelle qu'on peut en faire le simple exemple de l'égolas par exemple et, et Je, je il y a une question sur les traductions qui est apparue dans le, dans le chat. Alors, je sais que Antoine, lui, maintenant, il lit les. Il avait lu l'ancienne traduction et maintenant il les lit en anglais. Lui, comme ça, il a réglé la question de la traduction. Je ne pense pas qu'il ait lu la nouvelle. Et pour moi, vu que entendu... qu'en lisant le bouquin de Yannick, il disait beaucoup de bien de la nouvelle traduction, j'ai décidé de, quoi... de me lancer directement à... avec la nouvelle. Et elle est très pleine à lire, en tout cas, donc je n'ai pas. De plaisir de lecture, elle, elle fonctionne bien. Oui, c'est vrai ouais. qu'il y a un affect euh, ma enfin, majeur puisque les noms propres ont, ont changé. Voilà, oui, c'est ça. C'est question de -ce 3, qu il, 3, qu un etc. peu temps. C'est vrai que vu que les, sur les films, forcément, ils avaient aligné leur traduction à, à l'ancienne. Bah, les noms à l'ancienne traduction. Euh... Il y a tout qui, qui change un peu et donc il faut s'habituer à ça. Mais en tout cas, le... en, en termes de comment est rendue la, la langue, je ne sais pas si c'est. Je pense que c'est fidèle, a priori. Mais en tout cas, c'est plaisant à lire euh, la manière dont c'est écrit. L'avantage, c'est que dans le cadre de la parodie, au moins, il n'y a, a pas de questions. C'est oui, réglé. Voilà. <laughs> de toute façon, je tous les noms de ça. <laughs> euh, une petite dernière question pour la route, et puis après, je pense qu'on passera aux, aux questions du public. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'humour dans les représentations de Peter Jackson ou Tolkien, par exemple ben, moi j'ai après, c'est vrai qu'il a ben, Peter non, dans ce qu'a fait Peter Jackson. Il a un humour assez peut-être assez particulier parce qu'il est... il aime bien là, un peu ce qui est grotesque et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il faut... Qu faut apprécier ce euh, genre d'humour. Après, moi je trouve que globalement, c'est les... les films, le... les passages humoristiques mais... sont plus... plutôt pas mal. Quoi. Après, c'est... peut-être sur du c'est vrai que l'humour grotesque est peut-être plus poussé dans le hobbit et pas toujours très finaux, donc euh, c'est vrai que là, ça, on peut un peu plus euh, en débattre. mais euh, Notamment, moi, les, les passages avec Sam et, et Gollum que j'évoquais, je les trouve souvent. Ils ont une part dramatique, mais il y a souvent aussi des moments assez amusants dedans, déjà, euh, qui fait aussi. À mon avis, si c'est du coup des passages que j'aime bien, c'est pas un hasard non plus. Et, il y a des passages comme euh, nettors quand il mange la tomate cerise dans le troisième film moi ça me fait ou c'est fait de manière où ça soit très dégueulasse trouve ça soit très amusant Enfin, pas même si en même temps c'est vrai que c'est aussi dans un passage très dramatique à le parallèle de réalisation je le trouve vraiment pas mal mais c'est vrai que c'est oui. une scène notamment qui a bien marqué la communauté <laughs> c'est à la fois une scène très dramatique très réussie et en même temps voilà il y a ce il y a cette espèce de, de gag de au niveau de la tomate cerise euh, qui, est, qui est qui est assez amusant mais après voilà je comprends que sur certains gags ça plaise pas à, à tout le monde euh, sur bah, notamment dans le hobbit avec les même la représentation de radagast avec euh, les, les oiseaux qui lui ont euh, fait dessus et tout ça bon c'est faut, euh, faut c'est faut apprécier ce, ce genre de choses bon ça oui oui, oui c'est vrai mais bon, globalement, je trouve ça plutôt, plutôt plaisant. De manière générale, ouais, c'est vrai que euh, le hobbit a tendance à être. Enfin, euh, les films du Hobbit ont tendance à être oui. euh, un peu moins appréciés à cause de l'humour notamment. Mais euh, oui. ouais, je pense que c'est pour tous les goûts. Hein. Mm. Alors pour euh, les gens qui sont. qui nous écoutent, si jamais vous avez des questions, on va passer à une petite partie questions du public. Donc euh, j'espère que vous avez été attentifs. Et que vous avez préparé <laughs> vos questions. <laughs> donc, ce qu'on va faire, c'est que hop, je vais afficher ceci. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions si jamais il y en a. Alors, Arnaud a disparu. Yes, ah, c'est oui, oui, ma faute. Euh... Je pense que c'est encore ma faute. Non, c'est l'anneau. C'est ouais, ouais. Non, c'est parfois un peu compliqué. Hop. Tac. Ah, oui, c'est ouais. ma faute. Alors, attends, ce qu'on va faire. C'est vrai que j'ai. C'est euh, de ma faute. Ah, attends, je pense que ce que j'ai pas fait, c'est ça. Pourtant, ça marchait très bien tout à l'heure. Tac. Et eh ben, écoutez, on règle ça en live parce que c'est un live, après tout. Voilà. Oh, Vous n'avez rien vu. Oui. <laughs> alors, je regarde un peu s'il y avait des questions qu'on n'avait pas. Oui, je l'ai gardé exprès, Désoléon mais je crois que ah, bah, du coup... Oui. désolé, on a... Euh... Non, oh non, pas de, pas de soucis. Un peu devancé. Il y avait une question pour un tome 4 sur la prélogie du Hobbit. Voilà, <laughs> voilà Donc, notamment. Coup, pour, la, pour la prélogie, c'est vrai qu'on ne l'avait pas trop évoqué dans le premier tome. Parce que voilà, on, on s'était surtout concentré sur le, le Seigneur de Vano principalement. Mais du coup, on a déjà fait en tout cas une première, euh, un premier passage sur, la, sur le Hobbit, dans pas mal sur le, le début du Hobbit dans le tome 2 et sur la fin, la, sur la partie bataille des cinq armées. Euh, dans le tome 3. Oui, en fait, on a, voilà, on a la, la première partie, le début du Hobbit euh, dans le tome 2. Smog, il est dans un gag du tome 1. Et la bataille des cinq armées est dans le tome 3. Donc je pense pas qu'on fera. Euh, si un prochain tome, il ne sera pas uniquement consacré à la prélogie. Ça, c'est euh, à peu près sûr. Il ne sera pas uniquement consacré au Hobbit. Je pense qu'Antoine, il préfère piocher euh, un peu partout et même pour nous. Et donc par rapport aux anneaux de pouvoir, voilà, ça va, je pense que ça va être pareil, ça va rester une partie des, des gags, mais pas. je pense que ça ne fera déjà pas tout le bouquin, à part si on nous propose de faire ça et que qu'on qu est soudainement emballé par ça. Mais je pense qu'on va plutôt rester sur un mix euh, à chaque fois de, des différentes œuvres, euh, un, peu, un peu de gag sur le, sur le Seigneur des anneaux, un peu de gag sur le Hobbit, un peu de gag sur les anneaux de notre pouvoir. Alors ah oui, pour ceux qui ne se sont pas encore procuré le tome 3, il y a des gags sur les anneaux de pouvoir dedans. <laughs> voilà, so, ouais. Dans le tome 3, je pense que c'est vraiment le tome où, où il y a des gags un peu sur tout. Mm. Parce que il... Antoine était dans, dans sa relecture des tomes 2 et 3, donc il y avait, il y avait du Seigneur des anneaux, donc il y a beaucoup de, de gags sur cette partie-là des, des ouvrages, mais il en restait un peu des gags sur le tome 1 qu'on qu n'avait pas pu mettre dans le tome 2. Donc ça permet de couvrir ça aussi dans le tome 3. Et pareil, on, voilà, il restait des gags sur le Hobbit qu'on a pu mettre aussi. Et plus les, les, les gags sur la saison 1 des Anneaux de Pouvoir. Alors, vous, vous attentes sur la saison 2 et sur le film spin-off d'animation sur le rang qui sortira au cinéma Noël 2024. Alors oui, c'est War of the Rorim yeah. qui est censé sortir du coup ouais. l'année prochaine. Pour le film d'animation, moi je suis. J'aime beaucoup l'animation, donc je suis toujours, même même si je n'ai pas vu d'ailleurs les, les films d'animation euh, sur le Seigneur de l'Anneau, il faut, faut que je rattrape ça un jour, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et après, surtout que ça va être une après, vu que ça va être une histoire originale, je crois, faut voir ce que ça ce que ça va donner. Mais si c'est fait par des studios d'animation japonais notamment, je suis curieux de voir comment ils vont interpréter graphiquement cet univers. Et après, pour la pour la saison 2 des, des Anneaux de Pouvoir, je suis je... curieux de, de voir ce que... ce que ça va donner. Et après, je pense que Antoine est plus enthousiaste que moi sur, euh... sur la série, mais moi, je suis toujours curieux. Après, ce que bien, c'est qu'ils ça... ont... Ils proposent des. En tout cas, pour moi, après, à dessiner, c'est qu'ils proposent plein de nouveaux personnages qui ont souvent des. Des têtes assez, euh, assez intéressantes à dessiner, très marquées. Donc, euh, ça fait toujours de nouveaux persos à, à dessiner, ce qui est amusant. Euh, S'ils continuent de mettre des personnages, des nouveaux personnages, ça, ça me plaît. Alors moi, j'avais une autre question pour toi, Arnaud, qui m'est venue entre temps. Oui. Et euh, ayant Antoine qui a envie de se plonger de plus en plus, du coup, euh, dans les... Dans les différents livres que Tolkien a pu écrire de son vivant ou publier à titre posthume, est-ce que toi, ça te donne aussi envie, finalement, de commencer à attaquer euh, le Simarillion, euh, les Contes des Jean-Denis des bouquins qui sont, en somme, beaucoup plus poussés Et une fois que tu, tu auras fini tu, une euh, potentielle lecture du Zano, par exemple bah, En tout cas, quand, quand je lisais le livre de Yannick qui en parlait, ça a donné bien envie de les, de les lire. Honnêtement, ça m'a ça plutôt... Euh ça m'a plutôt enthousiasmé. Après, c'est vrai que je crois que ce sont... Un... Vu que c'est des rassemblements de... C'est des livres un peu incomplets à chaque fois, non, je ne sais pas trop ce qu'il qu en est. Parce que... Ouais, alors c'est... Sont... Que... Disons que ce ne sont pas des livres linéaires où tu vas lire une histoire de A à Z, c'est plutôt des morceaux d'histoire, etc. Et au fil des livres, en fait, tu vas avoir soit différentes versions de ces histoires-là, soit des brouillons, soit des... Des notes de Christopher, donc son fils, qui va rajouter mmh. des détails. Donc, disons qu'au-delà du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, le Silmarillion garde quand même une espèce de trame narrative, mais on va être beaucoup plus dans des, des passages et pas dans une histoire de, qui oui. va d'un point A à un point B tout au long du livre. Donc, c'est ça qui change aussi et qui fait que souvent ce sont des livres qui sont considérés comme un peu plus complexes à lire. Donc, je pense que ça va vraiment valoir que je, que je teste et que je le vois sur le sur le coup, ce que, ce que ça donne, quoi, si ça me plaît ou, ou pas. Mais après, c'est vrai que je, ça m'intéresse aussi. Et si, et si après, on est amené à, à dessiner des passages de ces, de ces livres-là, c'est vrai que moi, c'est beaucoup mieux d'avoir les, les bouquins à disposition comme ça. Lui, il ne m'indique pas forcément de quel passage il fait référence. Mais après, moi, je peux, voir, je peux feuilleter et voir à quoi il fait référence, Antoine. Donc, c'est vrai que là, je sais que j'ai les trois bouquins sous la main, euh, j'avais les trois bouquins sous la main à chaque fois, pour comme ça je pouvais voir. Euh, des fois, surtout dans les tomes 2 et 3. Dans les tomes 1, c'était encore des gags pas mal sur des scènes qui étaient dans les films, à chaque fois. Mais c'est vrai que depuis le tome 2, il, il fait aussi des gags sur des passages qui sont uniquement dans les romans. Donc les avoir sous la main à chaque fois est toujours très utile pour voir euh, pour voir exactement à quoi il fait référence. Et, et voir comment je peux je peux rebondir dessus et notamment sur, aussi sur les questions de décor parce que lui c'est dans son scénario ne va pas forcément préciser où se passe précisément chaque chose mais voilà moi ouais, que ça, ouais, ça m'aide voir où, où est-ce que ça se passe euh, chaque séquence oui, donc c'est vrai, vrai qu'à ce moment là si on a, si on adapte euh, bah, si on part sur des gags sur l'univers le, sur étendu entre guillemets ça va être beaucoup plus utile euh, bah, ça va être utile d'avoir les les romans, au moins de ce côté-là, pour, pour savoir un peu ce que, ce que je dois dessiner. Quoi. Oui, pour avoir un petit support. Mais c'est vrai que ça, ça avait l'air intéressant, en de, de, tout cas de ce que évoqué Yannick dans son bouquin, ça donnait en, en, envie d'en savoir plus sur, sur ces livres-là et de vraiment de se jeter dans, dans cet univers complet, quoi. Alors on a Elroir qui pose une question euh, plus euh, jeu vidéo. Du coup, alors je oui. sais que tu m'as dit que c'est pas vraiment une direction que vous prenez pour, euh, pour non, les parodies. A priori, c'est assez peu probable. Je pense qu'on est des gags vraiment sur les versions jeux vidéo. Et quant au jeu, j'ai j'ai vu passer exi son existence. J'ai vu qu'il avait été très décrié. Donc, euh, après, euh, de ce que j'en avais vu. Euh, c'est vrai que bah, le, le Gollum en lui-même n'avait pas l'air spécialement euh, horrible, mais euh, après voilà, je n'ai pas, pas non plus surveillé ça de près, donc euh, je ne sais pas euh, quels sont... Euh, je crois qu'il n'était pas très très bien fini comme jeu, donc je crois que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de griefs contre lui, mais je n'ai pas vraiment un avis plus, plus développé que ça. Le suis c'est vrai que ça m'a surpris de voir qu'il y avait un jeu qui sortait sur, uniquement sur Golum. Pour, ouais. euh, donc, une petite question de Le Seigneur D. Quel tome c'est le mieux vendu Alors, est-ce que tu, tu euh, Alors, le, c'est le tome 1 qui c'est le, le mieux vendu, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en qu bande dessinée, souvent, c'est les tomes 1 qui se vendent le mieux, de manière générale. Après, c'est vrai que peut-être sur certains trucs, genre les... Peut-être sur les mangas ou les trucs comme ça, ça. Ça peut augmenter avec les tomes. Mais je crois que c'est vraiment en BD en général, c'est les, les tomes 1 qui vendent le mieux. Et en fait, après, à chaque tome, ça diminue un peu. Mais la sortie d'un nouveau tome relance le tome 1, parce que ça, la série réapparaît en, en librairie et les gens se, du coup, se réintéressent à la série et vont tester le tome 1. Donc le tome 1 reste toujours celui qui va se vendre le mieux de manière générale. Et je crois me souvenir pour le tome 1 on doit approcher des, des 10 000 ventes mais je suis pas su, je sais plus en tout cas on a dépassé les les 5000 ça c'est sûr mais je crois qu'on qu qu'aux dernières nouvelles après on a on, nous on n'a qu'un relevé des des ventes tous les ben les auteurs à des ventes tous les 6 mois à peu près pour savoir où ce qu'il en est tout ça donc, je crois qu'on était aux alentours des 10 000 aux, aux dernières nouvelles. Mais... Juste pour le tome 1 ouais. ouais, pour le tome 1. Donc, voilà. Et après, pour le tome 2, je sais plus où on, où on était rendu. Donc, je vais pas, je vais pas trop dire de bêtises, mais je dirais au, au moins 3 000, je pense. Voilà. Et pour le tome 3, honnêtement, j'ai aucun retour. Elles euh... sont encore un peu neuf aussi. donc. Euh... Voilà. Donc pour l'instant, on a vraiment zéro retour là-dessus, donc je peux, je, peux pas, je peux pas donner d'infos. Mais en tout cas, voilà, sur, sur le tome. À fois, sur les lancements des autres tomes, les, la maison d'édition était assez satisfaite pour avoir envie de relancer un nouveau tome. Donc là, on verra si, si cette fois. Est-ce que les gens en ont entendu parler euh, Est-ce qu'ils sont au courant que ça sorte le, En plus, le tome 2 sortait au, au bon moment parce que c'était à peu près au, en même temps que l'arrivée de la, de la série Amazon. Donc, oui. il y avait un regain d'intérêt sur, euh, sur euh, tout l'univers du Seigneur des Anneaux et tout ça. Là, c'est peut-être un peu plus au point mort. Donc je ne sais, euh, sais pas ce que ça va donner. Ça se trouve, ça cartonne. Ça se trouve, ça bite complètement. J'en sais, <laughs> sais rien. Bon, on va faire en sorte que ça bite pas. Hein. Allez, on va acheter. Tenez <laughs> Cliquez sur les liens. Et puis... <laughs> en tout cas, j'espère que ça plaira à ceux qui vont, qui vont lire le tome 3. On essaie de faire au mieux, mais voilà, j'espère que, ça... que les gens seront. que ça vous fera rire et que vous serez encore content de, de lire la série. Est-ce que le chat, vous avez d'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent Que vous voulez poser Alors, au niveau du tome collector, du coup, sur le... qui sort le. J'ai oublié, le 2 novembre le 2, no... le 2 novembre. De... Le 2 novembre. Euh... Collector, tu sais s'il sera limité, du coup enfin, Les collecteurs euh, sont... je... le sont souvent, mais on ne sait jamais. Ils il les appellent Collector, mais ils en ont déjà sorti pour la série euh, de parodies sur Harry Potter, la série Bloody Harry. Je crois qu'ils... Après, est-ce qu'ils ont été édités en, en édition limitée ceux-là Je ne sais pas. En tout cas, nous, ne nous a pas donné d'infos sur... Est-ce que c'était édité en... en tirage limité Donc je... A priori, je pense que c'est collector surtout de nous. Pour dire que la, la fabrication va peut-être être un peu plus luxueuse que sur les, les tomes oui. classiques. Il y aura peut-être... Je ne sais, exact... sais pas exactement à quoi il va ressembler, qu'on a nous, on n'a pas encore reçu nos exemplaires auteurs et tout ça mais peut-être qu'il sera un peu cartonné ou avec un, une couverture plus épaisse et tout ça peut-être que ce sera des choses un peu comme ça donc je pense que c'est aussi ça qui donne son, son appellation collector plus qu'un plus qu tirage limité d'accord donc voilà a priori mais après voilà j'ai pas pas toutes les infos exactement sur, sur ça d'accord très bien est-ce que tu as quelque chose à rajouter, une information quelque chose euh, qu'on n'aurait pas évoqué euh, pendant cette, euh, cette heure de, de discussion non, Je crois qu'on a, qu a abordé pas mal de, de sujets. Donc. Au niveau des actualités, du coup, en rapport avec euh, ce oui. petit homme-là ah, donc ce que, voilà, ce que je peux dire c'est que je suis en... Je, dédicace, je pourrais dédicacer n'importe quel tome de la série la semaine prochaine à la convention sur les terres de l'Unique à Ploua, où j'ai été invité pour la troisième année d'affilée, donc je suis ravi de venir parce que c'est à chaque fois formidable. Et pour l'instant, c'est la seule date de dédicace que, que j'ai. Donc après voilà. Il y en aura peut-être d'autres. En fin d'année ou l'année prochaine, mais pour l'instant rien de garanti. Donc peut-être qu'à Ploie, ça sera la, la seule fois où je pourrai dédicacer. Je ne sais pas encore. Donc pour ceux qui ne savent pas, Plouhars c'est dans les Côtes d'Armor, Nord Bretagne. Oui, voilà. À peu près à oui. mi-chemin entre Brest et Rennes. Vous allez au milieu, vous remontez et vous avez Ploie. <laughs> voilà. À peu près. Souvent, on m'invite euh, principalement à des dédicaces en Bretagne. Je suis désolé pour le reste de la France. J'aimerais y <laughs> aller pour euh, dédicacer ailleurs, mais bon, c'est surtout les fans bretons qui ont l'occasion. Euh, de pouvoir avoir des dédicaces facilement et souvent ça se fait aussi en selon la sortie des autres euh, des autres bd de la collection parodie de chez jungle donc c'est vrai que quand il quand y en a d'autres qui sortent, des fois on a des dédicaces en commun avec les, les autres dessinateurs donc c'est vrai qu'après ça ça qui fait que je peux avoir après des dédicaces tout au long de l'année pour accompagner le, les autres ouvrages aussi de, de la collection d'accord ok Oh, oui, Par rapport à ce que dit oh. le Seigneur D, donc oui, on peut déjà précommander le collector, mais en effet, le, la, la couverture pour l'instant n'est pas encore sur les sites de. les différents sites de, de vente de BD. Elle arrivera plus tard, ce sera une surprise. C'est donc une illustration euh, parodique de, de la main d'Antoine euh, qui parodie une couverture. Ben, qui, qui parodie un peu les, une illustration de Tolkien, des euh, vis, visuels qu'on peut avoir un peu sur les, les couvertures du Seigneur des Anneaux. Euh, de manière traditionnelle. Donc, ce sera un visuel un peu, di un peu, un peu différent euh, de des autres couvertures de la série, un peu plus épuré, qui je trouve, je trouve très amusant personnellement, mais j'espère qu'il qu plaira aux gens. Il n'y a pas de raison, que. Ouais. Mais merci. voilà. Si vous, si, vous, si vous aimez précommander, vous pouvez précommander. Merci pour euh, cette réponse à cette euh, dernière petite question. En tout cas, merci beaucoup euh, à Arnaud et puis merci à Antoine si tu revois euh, cette rediffusion d'avoir de... <laughs> pris du temps euh, pour cette interview, euh, qu'on aura eu un peu de mal à organiser. Mais... Mais est, merci euh... beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, un plaisir. vraiment. Euh, C'est plaisir partagé. Euh, je suis très contente. On est très content de vous avoir eu euh, mm. en interview, euh, notamment pour euh, cette sortie du tome 3, même si c'était prévu depuis avant, évidemment. <laughs> donc, euh, petit rappel, euh, on peut trouver les trois tomes, donc euh, le 1, le 2. Et le 3 dans toutes les librairies, euh, si vous voulez, Fnac, Cultura, etc. Mm. Euh, sur Tolkien Deal euh, est disponible l'affiche avec une critique des tomes 1 et 2. Je suis en retard pour la critique du tome 3. Je suis désolée, ça, ça sera publié normalement euh, prochainement. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir, notamment sur Tolkien Deal. On a quelques liens de libraires euh, plus ou moins indépendants aussi pour le commander si jamais vous ne mm. voulez pas. Euh... Oui, voilà, le mieux si vous commandez, c'est souvent de le faire sur des sites de libraires indépendants, parce que ça leur permet de, bah, ça les aide à, à, à tenir pendant l'année, parce que voilà, les, les petites librairies sont tout, souvent toujours plus fragiles que les, oui. les grands noms. Donc, si vous pouvez essayer de le commander ou de l'acheter dans une librairie indépendante, ça, ça aidera l'écosystème général du livre et, et de la bande dessinée. Et pour ceux qui seront à Plois, du coup, euh, sur les terres de Gunic la semaine prochaine, donc euh, dans une semaine très exactement, euh, il me semble que la maison de la presse de l'association du festival aura des tomes 1, tomes 2 et des tomes 3 à vendre. Donc si vous voulez en profiter aussi, à la fois pour, euh, pour soutenir une petite, euh, une petite association, une petite librairie indépendante là-bas, vous pouvez, et puis en même temps, vous pouvez repartir avec une dédicace d'Arnaud. Donc c'est plutôt euh, intéressant. Ouais, ouais. <laughs> Voilà, donc euh, autrement, il y avait l'autre collecteur qui sort le 2 novembre, donc qui regroupe les tomes 1 et 2, et je pense qu'on a fait le tour. Voilà, n'hésitez pas à vous procurer ces, ces trois petits loulous là, Hop, si jamais vous les trouvez en librairie ou si vous voulez les commander, etc., ils sont disponibles. Voilà, merci beaucoup, et puis bah, Mais, très même, bonne soirée encore. à tout le monde. Merci, plaisir merci partagé. Merci à tous, à tous ceux qui sont passés, à tous ceux qui ont commenté, c'était très sympa. Et puis euh, à très bientôt tout le monde. Oui, à bientôt.